tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique. Et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là. Tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Et voici l'hymne national de la France. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous? Je vote Antoine Griezmann. J'adore cet ailier, comme il repique pour affoler les défenses. Quelle vitesse! C'est un futur très grand. D'accord, merci pour ce petit pronostic. On va voir maintenant. C'est parti pour cette rencontre. Il joue en retrait. Mbappé. Qui choisit le côté gauche? Il la remet. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Matuidi. Il décide d'allonger le jeu. Ça, c'est une interception parfaite. Il cherche son coéquipier. Giroud. Oh, mais quelle parade! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Quelle fait du bien cette interception. Hors jeu apparemment. Dégagement du gardien. Il ne résiste pas au contact. La faute. Et ça démarre fort. C'est le premier joueur de son équipe averti. Pavard. Griezmann. Quel jaillissement! Ballage. Usai. Oh, la maîtrise! Quel bonheur pour les yeux! Bon service dans la profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Le bon ballon. Possibilité peut-être pour Giroud. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Dans la profondeur. Quelle passe. Bonne lecture de la trajectoire. Cette passe en profondeur vers Giroud. C'est dégagé loin. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Une longue passe. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Il cherche la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Il allonge le jeu. Oh, le beau ballon. Ça peut faire mal. Pour la France. Et l'ouverture du score pour la France. Il remporte son duel avec le gardien et ce geste parfait. Il a bien gardé son sang-froid et pourtant, le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile.
Feli qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. La longue passe, il peut en profiter. Giroud. Il a de l'espace. Matuidi qui cherche une solution. Aucun doute, corner en leur faveur. Premier corner dans cette rencontre. Giroud, la bonne intervention. La parade, magnifique. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Pogba. L'Albanie qui peut avancer. Allez, un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Giroud. Ah, il a failli en profiter. Il se rattrape bien. C'est joué long. Le bon dribble. Ça peut être dangereux. Mais il rate le cadre. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Mendy. Giroud. Le ballon dans la profondeur. Mbappé. Oui, c'était puissant. Ça ne passe pas. Umtiti qui se montre intraitable dans ce match. Il rejoue derrière lui. Peut-être l'occasion pour Griezmann. Il tente de la jouer dans l'espace. Mbappé. Excellent repli défensif. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Griezmann. L'arbitre signale une faute. Et ses coéquipiers qui se rassemblent autour de lui, ils ont l'air inquiets. Mais ça frôle le cadre. Ça peut partir en contre. Il écarte sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. C'est repoussé. S'il le trouve. Matuidi, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. C'est bien fait. Il est sur le côté, il peut tenter. Quelle détente. Sauvé par la main transversale. Il est là pour dégager. Le long dégagement du gardien. Possibilité peut-être pour Giroud. Se jouer dans la profondeur. Griezmann. Et la défense pousse en rouge. Et c'est la pause ici. Les deux équipes
pour gagner donc le vestiaire avec ce petit coup de cas. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Qu'avez-vous pensé de cette première période? C'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasions. Ils ont clairement dominé dans ce domaine. Espérons un peu plus de réalisme en seconde mi-temps. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Un très long ballon. L'Albanie, qui s'est un peu mordu les doigts après les choix de son entraîneur, ça lui a coûté une défaite lors de la dernière journée. C'est vrai, le manager a pourtant bien essayé de se justifier depuis, mais on sent qu'il n'y croit pas tellement. Il sait qu'il a fait une bourde. Oh, bon tacle! Il a trébuché sur cette intervention. Cette passe en profondeur vers Giroud. Longue passe vers l'avant. Mendy. Matuidi. Voici Giroud. Mbappé. En la profondeur, bien vu. Allez, ça peut faire mal. Oh, quel geste. Dans la boîte. Ça doit faire but. Griezmann. Une parade magnifique. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Encore une récupération de balle. Pavard. Possibilité peut-être pour Giroud. Ça joue. Il prend sa chance. Le break est fait. Deux coups d'écart désormais. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Bonne interception, il y avait danger. C'est osé. Matuidi. C'est joué long, c'est dangereux. C'est reparti, ils peuvent contrer. Bien, la profondeur. Dans le dos. La passe est précise. Il est intervenu. La tentative. Et ça fait but! Pour lui, c'était presque trop facile. C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. Ballage qui inscrit là son premier but de la saison. L'Albanie qui utilise les forces de son effectif. C'est sans doute un bon choix de l'entraîneur qui préfère lui éviter de recevoir un nouveau carton. Plus maintenant qu'un but de retard. Ils ont commencé le comeback, mais iront-ils jusqu'au bout? Neymar. Un long ballon vers l'avant. Il est passé. Il récupère le ballon.
L'ouverture lumineuse. Griezmann. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-moi. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Griezmann. Grosse occasion. Neymar. Le gardien ne pouvait rien faire. Oh oui, super tir. L'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de prêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Deux buts d'avance, ça fait du bien, oui, on les imagine un peu plus sereins. Deux buts d'avance, c'est confortable sur le papier, mais la beauté du foot, c'est justement ça. On ne sait jamais ce qui va se passer. Ça joue long, vers l'avant. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Griezmann. Pour Neymar. Le jeu repart vers la droite. La bonne passe. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Neymar. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Une très longue passe. Ballage bien placé sur ce long ballon. Pour Neymar. Matuidi. La bonne interception. Attention, Griezmann. Ils auraient pu tuer le match là. Aïe aïe aïe, ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Et c'est par ce. Et la tête. Chance sur ce coup. La France, qui est à quelques minutes d'aligner une nouvelle victoire, ce serait la 4e consécutive quand même. Neymar. Dembélé, c'est joué dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Quelle inspiration! Le soutien d'un énorme occasion! Deuxième chance! Nouveau but dans ce match! Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir et il a payé cash. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Matuidi, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. A priori, ils sont à l'abri maintenant. Voyons comment ils gèrent la suite. Long ballon. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Griezmann. Il a stoppé l'attaque adverse. Il faut faire les bons choix. Passe interceptée. C'est osé. Oh, l'intervention de Varane. L'ouverture lumineuse. La passe dans la profondeur. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui et pendant de longues périodes dans cette rencontre, c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Eh bien, Oscar Wilde a dit un jour que la victoire revient toujours au plus braillard. Là, je dirais que la victoire est revenue au plus gaillard.
Au revoir à tous et à bientôt. Merci Darren pour votre expertise. Avec grand plaisir, Grégoire.